Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, première valeur Saint-Gobain. Dans la perspective de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires le 7 juin 2018, le conseil d'administration de la compagnie de Saint-Gobain a décidé à l'unanimité de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre-André de Chalendar pour une durée de 4 ans. Les analystes de l'OPSA sont baissiers et visent des cibles à 46,92 € et 45,20 €. Seconde valeur, JC Déco. Le groupe a annoncé que sa filiale australienne JC Déco Australie a renouvelé son accord de partenariat sur la communication extérieure avec Telstra, leader du marché des télécoms en Australie, pour une durée de 15 ans. Ce nouveau contrat porte sur 1800 cabines téléphoniques dans les 5 villes capitales et représente 64% de la population australienne et 77% des investisseurs publicitaires. Les analystes de l'OPSA sont aussi et visent des cibles à 36,10 € et 37,70 €. Du côté de la stratégie du jour, maintenant nous nous intéressons à Amazon. Graphiquement, le dépassement des anciens sommets de juillet 2017 à 1083 $ a relancé la dynamique positive et ouvre la voie à une poursuite de la progression vers les cibles situées à 1185 et 1240 $. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le warrant call 0963T émis par UniCredit de prix d'exercice à 1200 $ et de maturité au 13 juin 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice CAC 40. L'indice parisien poursuit son rebond entamé au-dessus du niveau de retracement graphique à 5259 points. La formation d'une figure dite en étoile du matin appelle à une poursuite du rebond technique en direction des cibles situées à 5452 et 5536 points. À cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le warrant call 5596T émis par UniCredit de prix d'exercice à 5400 points et de maturité au 16 mars 2018. À la Bourse de New York, c'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Passez un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.